En 1972, bien, il y a une équipe qui s'est créée. Donc. On n'a jamais quitté Saint-Amour. On nous a invités à venir jouer le dimanche matin. Et puis, on avait Jean Chapon ou deux, trois personnes qui nous ont convoqués. Alors, on n'y connaissait rien au rugby, hein, de toute manière, quand on est arrivé. Hein. Et puis, ça n'a pas changé non plus. Il y avait un joueur qui n'avait jamais joué de sa vie, qui était arrivé là par hasard, qui s'appelait Dury. 2 minutes de jeu, interception et 7 80 mètres. Premier match, premier essai, victoire. 70 kilos, pilier gauche. Oui, il a fini pilier gauche. Il jouait dans des prés à vaches, il revenait sale comme des petits cochons. La première saison, on n'avait quand même pas de terrain, je ne sais pas vous rappeler. On jouait à Lons, on jouait partout. Eh ben, on allait jouer à Bourg. À Bourg. On allait jouer à Bourg, oui. On a connu le début du club chez Chebert. Mmh. On a connu sur le pré chez Serrières, entre les bousses de vaches derrière. Oui. Le vieux terrain à la rizière. Oui. Puis on a vu celui-là, on n'y a pas beaucoup joué, mais on l'a vu celui-là. Et après, petit à petit, bon, ça a évolué. Il y a eu des matchs plus sérieux. On allait à Sochaux, Montbéliard. C'était sympa. On allait avec Rosette Laurent, et on raccommodait nos chaussettes. Le pire, c'est à Vesoul. Oui. À Vesoul. Alors ça, c'était extraordinaire. Et on avait mangé le midi une choucroute d'ailleurs, hein, c'était une choucroute. Hein. Dès que ça montait, buffet de la gare. Dès que ça passait Besançon, au nord de Besançon, c'était choucroute. Buffet de la gare. Et il fallait faire la police. Et il y avait le drapeau de touche, tu te rappelles? Et tous ceux qui passaient, on lui avait dit tu tapes avec le drapeau de touche. Et il tapait tout le long comme ça, et il a cassé le bras d'une femme. Le voyage en Italie. À Quiterme, on a été reçus comme des dieux dans un hôtel. Enfin, c'était super. Bien sûr, ensuite, après, il y a eu le championnat de France, hein, où on a été en finale à Ibardos. Je me rappellerai toujours. Ils sont venus nous récupérer dans une boîte de nuit. C'était Yves Serrière et puis Aldo. Et nous. Ils ne nous ont pas autorisé à rester. Il était 11h30 et puis eux sont restés. Ça m'a toujours traumatisé, ça. Quand je suis arrivée en retraite, j'ai eu envie de faire quelque chose, si je voulais voir mon homme. Et donc, on m'a proposé d'être trésorière. Je suis arrivé au rugby à Saint-Amour dès tout petit. Je suis toujours pas bien grand, mais 8 ans. Et puis, j'ai fini ma vieille carrière à 36 ans et demi. Bah, c'est un pote qui m'a emmené à l'âge de 5 ans au rugby à Saint-Amour. Puis depuis cet âge-là, bah, j'ai continué à jouer. Jusqu'à maintenant. Je suis arrivée au rugby à Saint-Amour grâce à une copine. On était dans le même lycée. Elle m'a demandé si je connaissais le rugby. J'ai dit non. Ça dit de venir voir un match. J'étais chez un week-end chez elle. Je suis arrivée ici, oui, comme ça. C'était le 27 mars 1994. Et là, j'ai connu Arnaud Burtin. Et grâce à lui, je suis restée au club jusqu'à aujourd'hui. J'avais 5 ans. Et maintenant j'ai 24 ans. Par rapport aux copains, ouais. Une promesse du bal du 14. Moi j'ai fait du rugby universitaire, puis j'avais envie de reprendre le rugby. Je suis arrivé au club Saint-Amour, comme mon gamin qui a débuté en mois de 7. Ouais. Et après plusieurs longues années, je suis venu dirigeant des mois de 11, éducateur des mois de 11 et des mois de 9. Là, actuellement, je suis les cadets. Mon cher mari venait à l'entraînement toutes les semaines. C'était le premier à Saint-Amour. Il rentrait un peu fatigué. Il était à l'honneur ou il était pilier. Il revenait toujours un peu cassé. On rentrait après à Lyon, à Point d'Heure. J'ai vécu 2-3 galères,
2-3 bonheurs avec une montée en Fédéral 3. Des galères, quand j'ai commencé, je jouais en jeune, je jouais en réserve, où on se comptait dans le bus pour savoir si on était assez nombreux pour aller en déplacement ou pas. Mais on y allait toujours, hein, on jouait à 12, 13 contre 15, mais voilà. Maintenant, avec 2-3 bières dans le cornif, on s'en rappelle. C'est des ballons pris en mêlée, avec le nez qui ressort tordu. C'est les phases finales du championnat de France. Et les yeux brillent encore. Les jambes courent plus, mais... Ça me met plein de potes. Tu te fais plein de potes, ambiance, tout, rugby. Tu te fais des potes, après tu vas au tournoi, tout. Tu t'amuses bien. Copains, une bonne ambiance, venir, perdre, ouais. Faire la fête. On se déplaçait, on allait supportrice. J'avais une copine, Olivia, Barbillon, qui est décédée à Kian. Qui m'a dit, Alice, allez hop, on lance le rugby à Saint-Amour, tu fais déjà partie du bureau, on lance ce truc. J'ai pas voulu la croire, allez Alice, joue au rugby. Bon, bah, si tu veux, pour un peu être tranquille, tout ça, sauf que bah, y a plus au mot. Donc on a commencé comme ça. Franchement, ça n'a rien à voir avec l'extérieur. J'aime le rugby. Hein. Mais une fois sur le terrain, c'est vraiment l'équipe, quoi. On ne touche pas ses copines. Hein, parce que, j'étais supportrice et pour Olivier Machard voulait faire une petite pause. Donc il m'a demandé d'être secrétaire adjointe au moins la première année. Là, j'ai accepté avec grand plaisir d'aider, donner un petit coup de main au club. Vis-à-vis de certains présidents, il n'y a pas de souci. D'autres, les femmes présidents, non, pas présidents, les femmes au rugby, non, ça passe pas. Ouais. Donc là, ben, on répond un petit coup, comme quoi on pense qu'il y a du mal à être au rugby. Parce que les femmes sont au rugby, c'est tout. T'as joué toi au rugby? Non. Non? Non. Je fais 20 ans de foot moi. Comme quoi? Il y en a des biens. Il y en a des biens. Ça a toujours été la famille, les copains. On a toujours été un groupe. La famille, enfin. On est comme dans une deuxième famille. Un côté famille. Bah, d'avoir cet esprit famille d'équipe soudée à faire la brinque, rigoler, puis d'être soutenu par les dirigeants. Quoi. On connaît tous son travail, le travail du copain, on connaît tous la femme du copain, la copine du copain, la maîtresse du copain. À cet amour, j'ai eu plein de différents entraîneurs. Quoi. Puis ils m'ont tous appris un peu la vie de Saint-Amour avec le maillot, le clocher et tout, puis voilà, ils m'ont appris à jouer comme ça, puis j'aime cette façon de jouer, puis pour les potes, pour les clochers et tout ça, puis ça m'intéresse pas de partir ailleurs. Après on joue ensemble depuis l'âge de 5, de 8 ans, alors ça fait 10 ans qu'on joue ensemble, quoi. Donc c'est sûr, on se connaît. Je vais pas signer pour jouer au rugby, j'ai signé parce qu'il m'a dit c'est sympa, et on vient pour être avec les copains, on vient pour, voilà, quand on perd tous ensemble, et puis on a envie de gagner pour les copains. Il y a une équipe dirigeante aussi, il faut voir tout le monde qui. Il faut parler aussi de gens et puis de toutes les personnes qui sont autour et qui font que le club y vit bien, qu'on mange ensemble le dimanche. Enfin, c'est vraiment ce côté convivial. Et puis voilà, le jeu, mais jouer avec des copains, c'est encore mieux. D'école de rugby, on a 60 les gamins. Ils ont l'âge, ils ont 5 ans. 5 ans jusqu'aux 15 ans. Voilà. 60, après on a une dizaine de cadets juniors. On arrive enfin à obtenir de notre école de rugby des seniors. Il y a une génération de gamins qui prend la vie, qui en cours, tout ça, qui fait le mot individuel, quoi. Ils sortent un peu de leur milieu. Ah, c'est un dingue, c'est un peu sport. Hein. On les sort un peu ces ventilateurs, tout ça, autre chose. Il y a vivre en groupe. J'ai pas parlé beaucoup de rugby parce qu'il fallait laver beaucoup le linge qui était très sale, les chaussures, enfin bon. Mais c'est quand même malgré tout une partie de plaisir parce qu'on a fait des choses, on a fait des voyages, on a participé à des événements qu'on n'aurait jamais fait si on n'était pas au rugby. Bien ensemble.
Donc c'est ce qui est fait qu'on s'en est sorti dans les moments de galère. Et que j'espère que maintenant ils sont un peu dans la galère en ce moment, j'espère qu'ils en sortiront pareil qu'on s'en est sorti. Le fait d'être plus bas, on joue un peu plus au ballon et moi, sous pression que l'année dernière, on est en première série. C'est vrai que c'est différent, on se fait plaisir, puis on a des objectifs. On sait aussi que l'équipe dirigeante travaille pour avoir des jeunes. On essaie de progresser en attendant que les jeunes arrivent. Cette année, on a un jeune qui arrive avec nous, c'est sympa. Quoi. On a du monde. De rien, on a du monde. On a des dirigeants. Et l'équipe, ben, ils sont tous soudés, ils sont tous reconnaissants. Et puis l'envie de s'en sortir, de vouloir monter, c'est super.